Bienvenue à cette prière pour l'abondance et la richesse. C'est une prière que j'ai faite où j'aimerais prier pour n'importe qui dans le son de ma voix. Tout ce que je vous demande, c'est d'être d'accord avec moi pendant que je prie et ensemble, nous chercherons notre Père Céleste. Nous laisse prier. Père Céleste, nous nous rassemblons et nous mettons d'accord au nom merveilleux et puissant de Jésus-Christ. Là où deux ou plusieurs personnes sont réunies là-bas, vous serez au milieu de nous dans tout ce sur quoi nous sommes d'accord, vous le ferez sûrement. Père, au nom de Jésus, il n'y a pas de distance dans l'esprit et nous te remercions pour la personne pour qui je prie qui désire une prière pour l'abondance et la richesse. Père, tu es la raison pour laquelle ils sont bénis. Tout ce qui est bon dans leur vie, c'est grâce à vous. Vous vous occupez des moineaux, combien plus vous vous occupez d'eux. Nous vous demandons en accord dès maintenant de bien vouloir remplir leur coupe par à bord. Accordez-leur l'abondance et la richesse dans tous les domaines de leur vie. Bénissez-les avec les richesses et la prospérité que vous avez promises alors qu'ils vous recherchent sincèrement, vous et votre royaume, avant tout. Merci que la personne pour qui je prie ait un trésor stocké dans le ciel ainsi que d'abondantes bénédictions ici sur terre. Nous décrétons et déclarons que le motif de leur cœur est pur et que les bénédictions que vous leur donnez ne prennent jamais votre place dans leur cœur. Nous décrétons et déclarons que l'amour de l'argent est éloigné d'eux. Les chaînes de la dette leur ont été brisées par le Christ. Les obstacles placés sur leur chemin pour retarder l'augmentation sont écartés de leur chemin par votre puissance impressionnante. Merci que la personne pour qui je prie ait le pouvoir d'obtenir la richesse afin qu'elle puisse aider à établir votre royaume ici sur terre. Dans Hébreux chapitre 11 verset 6. Vous avez dit que vous récompensez ceux qui vous poursuivent avec diligence. Tu leur donnes richement tout ce dont ils peuvent jouir et l'abondance que tu mets entre leurs mains est un témoignage de ta bonté et de ta fidélité. Alléluia. Nous croyons et recevons tout ce que nous avons prié et vous rendons gloire à l'avance car cette prière est exaucée. Au nom merveilleux et précieux de Jésus, nous prions. Amen. Thank you.